Tout d'abord, ce salon avait déjà pris une bonne renommée puisque l'année dernière, on avait appris qu'il y avait eu énormément de monde, qu'il y avait eu des candidats très, très qualitatifs. Donc cette année, on a décidé de participer à ce salon parce que nous sommes dans une phase de recrutement. Et donc, à ce titre, c'est la journée parfaite pour pouvoir rencontrer un maximum de personnes et pouvoir commencer à éventuellement élaborer une future collaboration. Alors aujourd'hui, principalement des vendeurs particuliers, des vendeurs marchands, mais également toute la partie Internet où nous cherchons deux webmasters. Bien sûr, vendeurs surtout, c'est la priorité actuelle, que ce soit pro ou particulier, pour les sites de Nantes notamment, Saint-Herblain, également région parisienne. Alors aujourd'hui, très sincèrement, en ce qui concerne les vendeurs, on n'a pas un profil type. C'est-à-dire qu'un jeune qui débute, qui est motivé, qui a envie de découvrir cette activité, sans aucun problème, on peut le recruter s'il y a de la volonté, s'il y a vraiment, on sent qu'il y a une flamme. Hein, mais ça peut aussi être des gens qui ont de l'expérience. On n'a pas un profil type avec un âge précis. On est vraiment sur une phase où on est ouvert à toutes les candidatures en matière de vendeurs. Évidemment, on a des critères malgré tout sur le sérieux, la qualité, la motivation, le comportement, ce qui est important aujourd'hui dans les entreprises modernes. Et à la fin de cette première matinée, vous avez déjà rencontré des candidats intéressants ? Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a eu la chance déjà dès ce matin de rencontrer, on va dire, 4-5 candidats très sérieux, dont deux, on peut considérer qu'ils sont déjà bientôt dans la maison, si évidemment, le poste qu'on leur propose leur convient.